on to something that's invisible there. Cause we're living at the mercy of the pain and the fear. Until we get it, forget it, let it all disappear. Yeah. Waiting for the end to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. JV 2010, il y a pas mal d'ambiance. Comme vous pouvez entendre, mais il n'y a aucun contenu. Le contenu est très maigre par rapport à l'an dernier, vu que tous les éditeurs se sont fait la malle au Paris Games Week. Et donc, c'est légèrement ennuyé sur la partie jeux vidéo. Bon, la partie, par contre, jeux de société, tout ça a été beaucoup plus exploité cette année. Les goodies, il y en avait, les figurines, tout ça, mais sur l'aspect jeux vidéo, c'est vrai que c'était beaucoup moins important. Il y en a certains qui ont trouvé leur bonheur malgré tout. Parce que voilà, il y a des stands de goodies et yes, belle figurine. Bon, voilà, il y a des cosplays, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des jeux portables. On a testé quelques jeux, surtout des jeux de société. C'était le festival du jeu de société en fait, surtout ça. Il y avait des tournois, organiser des compétitions et tout. Il y avait des parties de Trackmania, des parties de Call of Duty, Counter-Strike. Enfin, il y avait pas mal de choses, donc c'était assez intéressant à voir des PGM en vrai. Sinon, mis à part que le contenu était un peu faible, on s'est quand même bien marré sur les jeux qu'il y avait au musée du jeu vidéo. Ça a permis de bien s'éclater sur les antiquités, entre guillemets. Il y a des trucs qui sont intéressants quand même, comme le musée du jeu vidéo et tout ça, et le jeu Pong. Alors, on me demande de parler de Pong. J'y ai pas joué, mais faut vous l'acheter. On a vu Naruto Ultimate Ninja Storm 2. C'était le seul jeu qui n'est pas encore sorti qui a été présenté sur grand écran. Voilà. Il y a eu BlazBlue aussi, le nouveau BlazBlue. Et ouais, c'est tout ce qu'on a pu voir quoi, c'est vraiment la grosse dèche, il faut le dire. C'est la loose. Moi j'ai été particulièrement fier de pouvoir toucher avec une borne arcade le prochain BlazBlue, Continuum Shift. Et bon, ça
C'est ma victoire personnelle sur le festival. Sinon, bah, après, en gros, développeur présent, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. On a juste la Fnac qui a fait le déplacement. Bon, bah, c'est pareil, eux, ils présentent, ouais, des vieux jeux déjà sortis, genre bah, Super Street Fighter, quoi, voilà. Et aussi Samsung qui nous présente une sorte de 4x4 qui roule dans l'eau. Et c'est pas de jeux vidéo, hein, c'est en vrai. Mais sinon, il y a plein de trucs pas intéressants, comme par exemple plein de jeux de société, des cartes à jouer, tout ça. Ah voilà, ça offre pas le même contenu que l'année dernière, donc c'est le seul point qu'on regrette un petit peu tous. Mis à part Pong et Pac-Man, on n'avait pas grand-chose hein, comme nouveauté. Mais il y a, et je tiens à le préciser, il y a Airlines Manager. Ça vous permet de gérer votre compagnie aérienne. Donc si vous êtes sur Internet Explorer ou Firefox, vous allez, et puis il y a trois graphiques qui s'affichent sur votre navigateur, et voilà. C'est surtout un festival de jeux de société, bah, y a plus de jeux de société et plus de monde dans les stands de jeux de société que dans les stands de jeux vidéo. C'est assez impressionnant, mais bon. Alors que derrière toi, c'est marqué festival du jeu vidéo. Hein. Exactement, festival du jeu, voilà. Festival du jeu. On est très content d'être ici parce qu'on se marre bien. Ce que je retiens principalement, et c'était pour ça que j'étais venu principalement, c'est l'aspect communautaire, la rencontre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là l'année dernière qui sont venus. On a pu rencontrer de nouvelles personnes, ça c'était super, et l'ambiance était encore meilleure, le contact était encore meilleur. Plein de fumier, ouais, vu qu'on se connaissait déjà tous. Donc voilà, bah, super moment passé ensemble, et j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, quoi. Vraiment, on s'est fait plaisir, quoi. Il y a eu de bons gros délires, et ça conforte l'idée que la bonne entente est présente dans l'équipe. Et avec la communauté. Si je suis venue ici, c'est surtout pour l'aspect communautaire, rencontrer d'autres membres que je connaissais déjà ou pas. Il y a une bonne ambiance avec tous ces fumiers. Bon, je suis quand même content d'être venu. Je vais te balancer un micro dans la gueule. J'aimerais encore dire un mot au nom de nous tous, parce que tous ceux que vous avez vus ici, c'est pas les seuls qui sont venus. Hier, il y en avait d'autres qui sont pas sur les vidéos, donc il y avait Zyuxo, Video Gamer Man, Sniper 77. Il y avait aussi Vortex 646, ouais. Qui est plus connu sur les forums de Gelo.com. Et il y avait aussi Tibiscuit, c'est très sympathique également. Ouais, il fallait juste les mentionner parce qu'ils étaient là, et puis ils ont participé à la bonne ambiance qu'il y avait hier et qu'il y a toujours aujourd'hui. Et voilà, c'est ça toute la communauté Radio Galaxy, et il faut le signaler. Voilà, merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. Qui nous a supportés pendant. On compte sur vous. Et maintenant, passe-moi aussi. Et l'autre qui joue du piano. Alors nous avons un grand virtuose. Il faut avouer que